www.casarema.fr. Le Saint-Esprit ne parle jamais à côté de jamais du Père y a tata, jamais de lui-même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle que du roi à Colombe la caca c'est le coup. Depuis le jour de la Pentecôte, jusqu'au jour de l'enlèvement, cet espace-là est en dehors. C'est une année. C'est pour que le Saint-Esprit te prépare à la rencontre du roi. Je veux dire à ceux qui ont compris que le péché c'était mal, que le péché c'était mal et qui l'ont abandonné. Voilà ce qui est la nourriture qui vous est donnée aujourd'hui. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Chapitre 2, du 1er au 18e, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fit calmée, il pensa à Vashti. À ce qu'elle avait fait et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure.
Tika ete mokondi ayiba na kochia na kat na ba province nyonso ya bokondi na ye ba commissaire oyo wapi ba kozala na charge ya koyeba kosangisa bilenge basi miseka pe kitoko na bilongi. Verset 5. Il y avait dans Suse la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr. Ezalaki na Suse na kati na capitale Mouyuda Moko Kombo Mardoché. Verset 6. Qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs. Oyo amemamaka na Jérusalem na kati na bakangami. Verset 7. Il élevait Adassa qui est Esther. Abandaki koboko la Adassa oyo azali Esther. Verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édite, Natango baibaki nakoloba ndingisa ya mokonzi pe mobeko nango, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, et tango pe lisanga lituluku monene ya bilenge basi basanganaki na capitale Suse, sous la surveillance de Gaï. Nase ya bobate lami ya Egaï. Esther fut aussi prise. Esther pe azwamaki. Et conduite dans la maison du roi. Pe akambamaki na kat nanda kwa mokondi. Sous la surveillance d'Egaï, gardien de femmes. Nase ya bokengeli ya Egaï, mobateli ya basi. La jeune fille lui plut. Elenge mwasi asepelisaki ye. C'est-à-dire on parle d'Esther. Bazol ba ponatine Esther. Et trouva grâce devant lui. Pakuta kingolo liboso na ye. Et trouva grâce devant lui. Pakuta kingolo liboso na ye. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Aweli saki na kweba na kopesa ye biloko nyonso ezalaki na motsuya ponatina bonzinga na ye ya nzoto. Ici on donne à Esther. Biloko bazo pesa nde Esther. Et pour sa subsistance. Pe ponatina kozana na bomoi. Lui donnant cette jeune fille. A pesa ki ye bilenge basi sambo. Choisi dans la maison du roi. Ba ponama ki na kati nanda kwa nkumu. Et la plaça avec ses jeunes filles. Pe atia ki ye elongo na bana basi oyo. Dis Esther. On peut sauter. Verset, prenons le verset 12. Trouve verset 12. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assyrus. Elenge na mwasi moko na moko abandaki kokende na tour na ye liboso ya nkomo Assyrus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Na sima ye kosalela basanza zomi na mibale na mai etalaki bilenge basi. Pendant ce temps. Na kat na tango oyo. Elle prenait soin de leur toilette. Babandaki na komilengela mingi pona kosokola nzoto. 6 mois avec de l'huile de myrrhe. Basanza motoba na mafuta ya et 6 mois avec des aromates et des parfums. Sanza motoba pe na ba aromates na ba parfums. En usage parmi les femmes. Oyo ezo sali manakat na basi. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Na boyende elenge moko na moko mwasi abandaki kokende pa mokonzi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi. Pitango abandaki kolongwa na ndako ya basi akoti na ndako ya mokonzi. On lui faisait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Babandaki kotika ye azwa nyonso oyo alingaki. Elle y allait le soir. Et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Chargaz. Pe natongo nango abandeki koleka nandako ya mibale ya basi na se ya bokangeli ya Chargaz. Elle ne retournait plus vers le roi. Abandeki kozongela isusu te pa mokonzi. À moins que le roi n'en eût le désir. Soki mokondi azuka posate yako kobenga ye. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, natango tour na yako kende epa mokondi ekomaki. Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Egaï. Esther aibaki na kosinga kaka oyo Egaï aponaki. Eunuque du roi et gardien de femme. Mokube ya mokondi pe mobateli ya basi. Esther trouva grâce. Esther azwaki ngolu. Aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Na miso ba ebanso babandeki komona ye. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa
maison royale. Esther a kambama ki epai na bokondi a Suris na kat nanda kona bokondi. Le dixième mois. Sanza yazomi. Qui est le mois de Tebet? Oui, Zali Sanza ya Tebet. La septième année de son règne. Septième année ya règne ya bokondi. Assuris. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Mokondi alinga ki Esther koleka basi mosusu. Et elle obtint grâce et faveur devant lui. Esther azwa ki ngolope faveur liboso na ye. Plus que toutes les autres filles, plus que toutes les autres jeunes filles. Koleka bilenge bana basi mosusu. Il mit la couronne royale sur sa tête. Ayibaki na kotia couronne royale na motunaye. Et la fille reine à la place de Vashi. Pe a komisa ki ye reine na esika ya Vashi. Le roi donna un grand festin. Mokondi asalisa ki feti monene. À tous ses princes et à ses serviteurs. Na bana ba kontinaye nyonso pe basali na ye. Un festin en l'honneur d'Esther. Feti pona lokumu ya Esther. Il accorda du repos aux provinces. Ayebaki na kopesa babingomba bopemi. Et fit des présents avec une libéralité royale. Pe ayebaki na kopesa biloko ebele na bopete ya bokondi. Béni soit le nom du Seigneur. Et pambola makombo ya Yahweh. Pour des siècles et des siècles. Pour nabikeke nabikeke. Lui qui conduit nos pas dans sa maison. Notre confiance ce moment. Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses. Que le tout se fasse sous l'onction du Saint-Esprit. Car nous sommes à l'école de Dieu. Et en sortant de ce lieu. Que ce peuple sort édifié. Et délivré. Et que toute la gloire revienne à toi, le grand roi. Pour des siècles et des siècles. Et tout cela. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ. Parce que. Jésus-Christ. Parce que. Jésus-Christ, parce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Amen, amen. Obeti maboko pona Yesu, maboko milolo. Quand on tourne le tableau, on va vous expliquer des choses, je ne sais pas, des grandes dimensions. Sokolimbo labino makambo ya epimelo monene. Et si tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu poses la question. Parce que ce sont des choses des adultes. Dans l'église, il faut qu'il y ait un temps où on va parler de la repentance. La repentance est une prédication pour les enfants dans le Seigneur. Et il faut grandir. On ne doit pas rester un éternel enfant. Si aujourd'hui on te prêche, toi, frère, sœur, on te prêche la repentance. Demain, la repentance. Après demain, la repentance. Pendant deux mois, trois mois, une semaine. Une année, toujours la repentance, c'est que tu n'as pas encore grandi. Ce qui bazote ayo sans amoko mi balé misatu mine. Mvula mobimba bazote ayo kaka mbongwana mbongwana. Elingi koloba etse yonde ko mwasi mobali nano kolite. Nous devons grandir. Esengeli biso tokola. C'est-à-dire si on t'a prêché la repentance, ndakisa ce qui bate yo mbongwana. Tu dois te repentir. Esengeli obongwana. Et tu dois être à mesure. Pe okoma na makoki. Désormais banda lelo a distingué ya kokesenyisa. Ça c'est le mal. Oyeza mabe. Ça c'est le bien. Oyeza bolamo. Je ne peux plus faire le mal. Na kotiko sala isusu mabete. Je dois faire le bien. Na kosala bolamo. C'est comme ça qu'on grandit. Bongonde bakolaka. Mais tout celui qui tombe, qui retombe toujours dans le péché. Kasi mutu nyonso oya kuyaka akuyaka akuyisa makata onyonso nakaka misu. Il est encore enfant. Ye alina no mwana moke. Il est encore enfant spirituel. Ye na makambo mulimo alina no mwana moke.
Et on ne va pas condamner les autres qui ont déjà grandi à leur parler toujours de la repentance à tout moment. Toi qui es encore enfant, ok, dans la prédication, on tâchera de te parler de la repentance dedans. Parce que tu es encore enfant. Mais pour ceux qui ont grandi, on va leur donner des choses des adultes. Parce qu'ils ont grandi. Ils n'ont plus besoin qu'on leur parle toujours du péché, 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 péché. Non. Et même, ils ont un grand jugement. Ils ont grandi dans leur conscience. Ils ont la capacité de juger que ça c'est le péché. Je ne le fais plus parce que j'ai déjà grandi dans les choses de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Donc tous ceux qui pêchent sont des bébés dans les choses de Dieu. La prédication qu'il leur faut, c'est la repentance. Mais pour ceux qui se sont déjà repentis, qui ont grandi, qui pour eux le péché c'est un hasard, le péché vient par hasard, c'est-à-dire, ils ne méditent pas le péché. Mais si le péché peut arriver, c'est occasionnellement. Voilà des gens comme ça, ils ont grandi. Alors, il faut aussi leur donner des prédications des grands. Parce que nous devons grandir dans les choses de Dieu. Il ne faut pas rester des éternels enfants. À l'école de Dieu. C'est ce qu'on va parler. À l'école de Dieu. Reprends. Répète après moi. À l'école de Dieu. À l'école de Dieu. Regardez ce qui s'est passé à Babylone. Botala makambo oyelekaki na mboka Babylone. Le roi Assyrus, Mokonzi Assyrus, était marié à une femme appelée Vashi. Abalaki mwasi moko na kombwa Vashi. Alors le roi naboye nkumu oyo avait organisé une fête dans son pays. Asala ki feti moko na kat na mboka na ye. Il a invité ses serviteurs du royaume. Abengisa ki basali na ye ya bokonzi na ye. Je dis que si tu ne comprends pas quelque part, tu soulèves le doigt, tu poses la question. Soki oyoki malamu te na lobi ete otomboli mosapi otuni motuna. Parce que ce sont des choses des grands, il faut que vous les compreniez très bien. Le roi a rassemblé les gens, ses serviteurs du pays. Il a fait une fête. Pendant la fête, le septième jour de la fête, le roi était content parce qu'il avait bu du vin. Parce que quelque part, il est écrit que le vin réjouit le cœur du roi. Mais là, je ne vais pas dire que toi, frère, va prendre du vin. Non, je n'ai pas dit ça. Là, c'est le vin dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est le vin qui réjouissait le cœur du roi. Mais dans la nouvelle alliance, ce n'est plus le vin qui réjouit le cœur du roi. Et à l'ilisusu masanga et kosepeli sa motema mokondite. Mais c'est quoi? Répondez, c'est quoi? Ok.
C'est le Saint-Esprit dans la nouvelle alliance. Alors, le roi avait mis du vin. Il était joyeux, content. Alors, dans cette joie, il a dit aux gens d'appeler sa femme Vaché. Il voulait présenter sa femme devant ses serviteurs. Alors on est parti chercher la femme Vaché. La femme a refusé. Le roi, il envoie ses serviteurs pour appeler sa femme. La femme du roi refuse. S'il y a quelque chose que les hommes n'aiment jamais, les hommes n'aiment jamais que les femmes puissent désobéir, puissent faire la tétutesse de quand l'homme est avec ses amis, quand l'homme est avec les gens. Mobali alingakate ke mwasi asalela ye mutu makasi matoi mangongi tango mobali avandi na bato to baninga. Donc là nous exhortons les sœurs. Awa tozo lengisa bandeko basi. Sœur, il faut faire attention. Bandeko basi sengeli bosa langele. Sœur, il faut faire attention. Bandeko basi sengeli bokeba. Ce que Vashi a fait, ça lui a coûté le divorce. On l'a chassé du mariage à cause de la tétutesse. Les hommes n'aiment jamais de femmes têtues. Les hommes n'aiment pas ça. Ba mibali balinga kangote. Regardez mes soeurs. Botala bande konanga basi. Si réellement tu es converti, soki ya solo obongola motema, tu ne vas pas manifester la tétutesse devant ton mari. Okoki kotalisa te mutu mabanga liboso ya mobali na yo. Je finis par comprendre. Na soki saki na koyoka kososola ete. J'ai fini par comprendre que dans nos églises, les gens qui posent problème, ce sont des inconvertis. Tellement ils sont nombreux dans l'église. C'est pourquoi les églises n'avancent pas. Nos églises en général, je parle de toutes les églises, ils ont un sérieux problème. Les églises sont remplies de gens qui ne se convertissent pas, qui ne veulent pas manifester les choses de Dieu. Sœur, retiens d'abord que les hommes n'aiment jamais qu'une femme puisse lui désobéir devant les hommes, devant les gens en général. Vashi l'a fait. Vasi asala yango. Elle était chassée du mariage. Babengana ki na kata libala. On a chassé Vashi. Babengana ki Vasi. Alors les conseillers du roi, Bapesitoli ya mokonzi, lui ont dit, Bayebisete, qu'on rassemble les jeunes filles, Basangisa bilenge basi, qui sont des vierges, Bayebazali basika, et parmi elles, le roi pourra choisir la femme qui lui convient à la place de Vashi. Alors on a rassemblé dans tout, on a choisi dans tout le pays des jeunes filles vierges. On est venu le rassembler
à la capitale Suze. Bayaki ko sangisa bango na capital où ils en a combo Suze. Parmi les jeunes filles rassemblées, na katsi na binenge baso basangisa maki. Il y avait une fille juive, une jeune fille appelée Esther. Izalaki na mwana mwasi moko elenge moyuda na combo ya Esther. Alors, pourquoi on les a rassemblés? Suivez. On a rassemblé d'abord toutes les jeunes filles vierges sous la surveillance des Gaï. Qui fait un cadran. Tu écris au-dessus maison des femmes. On a rassemblé les jeunes filles. Basangisa bana basi bilenge. Sous la surveillance des Gaï. Nase ya bokenge la mia Egaï. Qui était l'eunuque du roi. Oya zalaki mokube ya mokonzi. Et toutes les jeunes filles étaient là. Pe bilenge basi nyonso oyo bazalaki wana. Tu fais ça, tu mets les filles. Il y a des choses à écrire dedans, sinon il y aura pas d'espace. Tu écris 12 mois de préparation. Il devrait faire sous la surveillance des Gaï 12 mois de préparation. Nase ya bokenge la mia Egaï oyo esengela ki basala bambul basanza zomi na mibale. Que la parole appelle 12 mois de toilettes. Oyo lilo bayanzambe ebenge etse 12 mois ya kosokola mayi. 12 mois égale à combien d'années? 12 mois égale à une année. 12 mois et salimbula moko. C'est-à-dire les jeunes filles devraient faire sous la protection des Gaï 12 mois, c'est-à-dire une année. Basanza zomi na mibale elinyolba ete mbula moko. Ils étaient là. Bazala kiwana, en train de suivre na kolandaka, les directives, les enseignements des Gaï. Babo kambami, malakoto mate ya Gaï. Sous la surveillance des Gaï. Donc tu mets quelque chose, tu mets Gaï. Ok, surveillant et Gaï. Il dépendait des Gaï. Babanda ki ko dépendre et pas ya Gaï. Pourquoi? Bonanini. Parce que Gaï. Pote Gaï oyo. C'est lui qui connaissait bien le roi. Yende ayebaki malamu nkulu. Il connaissait le goût du roi. Ayebaki goût ya mokonzi. Il leur donnait des directives. Abanda ki ko pesa bango bokambami. On se lave comme ça. Basokolaka mayi boye. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Allons. Naboye. Les choses se passaient sous la surveillance de Gaï. Makambo oyi banai koleka na sabokenge la mi ya Gaï. Pendant une année. Nakat na mbula mobimba moko. Ya parmi les filles. Nakat na bilenge basi oyo. Je dis que y a une fille appelée Esther. Na lobi ete ezana elenge mwasi moko na kombo Esther. Qui était là? La parole dit. Dès que Egaï avait vu Esther. Tango kaka Egaï amonaki Esther. Esther trouva grâce. Esther akutaki ngolu. Esther trouva grâce devant Egaï. Esther akutaki ngolu azwaki ngolu liboso ya Egaï. Et regardez ce que Egaï fait. Pebota la oyo Egaï asalaki. Egaï donne à Esther. Egaï apesi Esther. Cette jeune fille. Bilenge basi sambo. Est-ce que vous me comprenez? Ces choses, c'est pas un hasard. Hein? Makambo oyo ezali poisaté. Non. C'est pas un hasard. Ezali poisaté ba komi yango pambaté. Ce sont des choses. Ezali makambo. C'est une histoire vraie qui s'est passée. Ezali li solo ya solo o ilekaki. Mais cette histoire cachait les choses à venir, des choses prophétiques. Li solo oyo ebombaki makambo ya lisakoli o esengela kiya. Regardez. Botala. Il n'y a que à Esther. Ezali kaka epana Esther. Qu'on donna cette fille. O ba pesaki bilenge basi sambo. Pour être tout d'Esther. Fouette baza la zinga zinga ya Esther. Et pendant
12 mois, pena kati na basanza zomi na mibale, c'est-à-dire pendant une année, oui, et sali mbula mobimba moko, toutes les filles ici, bilenge basi nyonso oyawa. D'abord, il fallait être une fille, il fallait être une fille vierge. Liboso condition ezala ki ete esengeli ozala mwana mwasi moko moseka. Et puis il fallait être belle de figure. Pe esengeli ozala kitoko na elongi. Ce sont les critères. Ezali ba Christ ba critères pour être sélectionné. Pour être opona mananu. Pour se retrouver dans la maison du roi. Pour être okutana na kati na ndako ya mokonzi. Il fallait d'abord remplir les critères. Et critères. Être vierge. Et être belle de figure. Là tu pouvais être choisi. Et pour être amené dans la maison du roi. Mais quoi que tu es belle. Quoi que tu es vierge. Il fallait passer 12 mois ou une année de préparation. Et singela ki oleki saba sanza zomi na mibale to mbula mobima ya kobongisama. Des toilettes. Ya kosokola mayi. En train de se laver le corps. Ozo sokola kanzoto. Appliquer l'huile. Ozo pakola ba mafuta. Pendant une année. Na kat na mbula mobima. Pendant une année. Na kat na mbula moko. Sous la surveillance d'une seule personne. Na se ya bokenge la mi ya moto moko. Imaginez-vous, il y avait combien de filles? Il y avait combien de filles? Toutes les filles sous la surveillance d'un seul. Elles écoutaient les instructions que dégaye. Elle faisait ce que Egaï leur demandait. Je précise, c'est pas ce qu'il n'y a que Egaï. Il n'y a que le surveillant ici. Qui connaissait le roi. Qui connaît le goût du roi. C'est-à-dire la préparation se faisait en fonction du goût du roi. Et celui qui connaissait le goût du roi, ce n'est que Gaï seul. Parmi les filles, personne ne connaissait le goût du roi. Et personne aussi n'avait déjà vu le roi. Personne. Et les choses là que je suis en train de dire sont des précisions parce que ça cache des prophéties. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, quand on a fini, oui. Non, là, les choses se passaient physiquement. Là, je crois qu'ils consultaient des médecins. Ils, à cette époque, ils avaient peut-être des sages-femmes. Hein? Donc, Egaï, ce n'est pas Egaï qui était parti chercher les femmes. Non. On lui amenait des filles. C'est que dès qu'on lui amenait, ils étaient sûrs que c'était parce que l'ordre était de chercher des filles vierges. Donc on vérifiait déjà là-bas, avant qu'on te choisisse, avant que tu ne viennes chez le roi ici d'abord. Donc là-bas, on doit être rassuré que tu es vierge. Pour qu'il n'y ait pas de fraudeurs. Alors, après une année, quand ils ont terminé les une année de toilettes, tango basilisa kimbula na bango moko ya kosokola kama une année de se laver, mbula moko ya kosokola mayi, une année de s'appliquer l'huile sur le corps, mbula moko ya kopakola mafuta na nzoto. Après une année, na sima mbula mobimba, on leur a annoncé, bayebisa ki bango, que maintenant sikoyo chacun d'entre vous moko na kati na bino va entrer dans le palais du roi, akokota na kati na ndako ya mokonzi. Et il faut aller le soir. Pas le matin. Pas le matin. Na tongote. Pas le matin. Na tongote. Mais le soir. Pourquoi ndi? Alors, on quittait la maison du roi. Na, oui. Faisons un canal là.
ont quitté la maison des femmes. Donc la jeune fille qui était appelée, là c'est là où se retrouvait vraiment le roi. Donc la fille, on prend la fille numéro 1. On lui a dit, c'est ton tour maintenant. Va chez le roi le soir. Dis ici, le chemin, c'est le soir. C'est très important. Alors on vient, on appelle la fille numéro 1. Bon, c'est toi qui vas aller aujourd'hui chez le roi. Alors, la fille numéro 1 va partir. Et avant d'entrer chez le roi, la fille numéro 1, on va lui dire, Egaï va lui dire, est-ce que tu... Donc il y avait quelque part encore une salle où le fils devrait passer pour prendre quelque chose afin d'aller chez le roi. Alors la première fille est venue et Gaï lui dit d'entrer là-bas, prenons cette antichambre par exemple ici. Elle doit entrer ici, prendre ce qu'elle voulait. Azwa oya lingaki. La Bible ne dit pas c'est quoi exactement, non. Ibia epesi précision te ezala ki nini te. Bon, tu entres là. Okoti wana. Tu prends quelque chose. Ozui eloko. Egaï te dit prends. Egaï ibisi ozwa. Et la fille prend. Pemona mwasi azui. Après tu sors de l'antichambre. Pe na simobimi na chambre ango. Et tu vas maintenant chez le roi. Pe okay epa ya mokonzi. Et tu vas passer la nuit chez le roi. Okoli kisabutu epa ya mokonzi. Donc ici on ne passe que une seule nuit. Wana bazolekisaka butu moko. Est-ce que vous me comprenez? Alors, si tu ne plais pas au roi, ce qui osepeli simo kontite. Tu sors par l'autre porte. Obimi na porte mususu. Et tu vas dans la maison des concubines. Pe okeyi nandako ya bamakango. Pourquoi? Pour nanini. Comme tu es déjà sorti avec le roi, lokola si obimina mokondi. Mais tu ne l'as pas plu. Kasi osepeli si yete. On ne va pas te chasser. Ba obinga naute. On va te garder dans la maison des concubines. Ba kobatelo na ndako ya ba makango. Ah, suivez, réveillez celui qui dort. Comment on peut dormir comme ça? Ouazolala. Amen, amen. Amen. Amen, amen. On acclame un peu pour le Seigneur. Ma soeur, change ta position. Assieds-toi très bien. Amen, amen. Amen. Bouge un peu ton voisin. Ningisa bouge, bouge-lui. Bouge-lui, bouge. Ok. Est-ce que vous me comprenez? Prenons la fille numéro 1. Elle est venue. Ayaki. Elle a pris quelque chose. Aponi lokomoko. Elle est passée chez le roi. Aleki pa mokonzi. Une seule nuit. Butsumoko. Elle n'a pas plu au roi. Asepelisi na mokonzi te. Elle est passée dans la maison des concubines. Aleki na ndako ya makango. Toutes les filles qui passaient par cette maison. Bana basi nyonso babandai koleka na ndako oyo. Suivez-moi. Bolandanga. Toutes les filles qui passaient par cette maison, qui restaient dans cette maison, sont des concubines du roi. Elles pouvaient, après le jour, voir la face du roi. Bakokaki mokolo moko mususu komona elongya mokonzi. Si seulement si soki kaka le roi lui-même veut de cette fille là. Mokonzi ye moko alingi mwasi wana aya. Il dit appelez-moi un tel. Bobengelanga mwana mwasi kingani. Là on vient te chercher. Wana baye koluka yo. Donc les choses se passaient comme ça. Makambwe bana olika bongo. Est-ce que vous me comprenez? Bon, maintenant on a pris la fille numéro 2.
Bazil, les sous-fille numéro 2. Elle est partie. Akeyipe. Elle a passé la nuit. Elle n'a pas plu au roi. Elle est partie dans la maison de concubine. Troisième fille. Yamisato. Quatrième fille. Yamine. Cinquième Yamitano. Fille. Sixième Yamotoba. Fille. Toutes les filles. Banabasi nyonso. Passé. Babane koleka. Passé. Babane koleka. Arrivé, je crois, au dixième mois. Je crois, ce vérifie, c'est au dixième mois maintenant. Tango bakoma ki sanza ya zomi. C'est le dixième mois. Septième année. C'est le dixième. Donc personne n'a ce texte devant lui, oh, frère. Où est-ce qu'on parle destin? Verset 15, le verset 16. Ok, les dixième mois, ok. C'est correct. Suivez. Olanda. Arrivons au dixième mois. Tango bakoma kina sans azomi. C'était le tour d'Esther. Ezala kipe tour ya Esther akende. Suivez. Olanda. Le, au dixième mois, azomi, c'est le tour d'Esther. Et comme il peut tour, il y a Esther. Esther est sortie. Esther Abimaki. Regardez ce qui va se passer. Bota la nini koleka. Toutes les filles qui sont passées avant Esther. Bilenge basinyonso oyo baleka ki liboso ya Esther. Regardez ce que j'insiste sur ce point-là. Je retourne là pour insister, pour attirer ton attention. Parce que c'est de là que viendra la, l'instruction. Toutes les filles qui ont passé devant Esther, on leur disait d'entrer dans cette chambre ici. C'est Caïe qui leur demandait, qui leur conduisait. Si tu arrives là-bas, et Caïe te dit entre là-bas, prends tout ce que tu veux pour aller te présenter devant le roi. Et chaque fille prenait ce qu'elle voulait. Elles entraient, mais elles n'étaient pas choisies par le roi. Au dixième mois maintenant, c'est le tour d'Esther. Conduit par Egaï. Arrivé là-bas, Egaï lui dit, Esther, entre ici. Prends tout ce que tu veux. Amen, amen. Prends tout ce que tu veux. Ce qui déterminait le goût du roi. Après une année, Nasima yambula mobimba. C'était cette antichambre. Ezalaki antichambre oyakatuana. La dernière des choses que l'on prenait ici. Et loko ya suka oyo babandai kozwa na chambre wana kati. Pour se présenter avec devant le roi. Pwete okene kotali samanango liboso mokonzi. Alors chaque fille. Elenge moko na moko mwasi. Prenez ce qu'il voulait. Abandai kozwa oyo abana olinga. Eh, regardez bien, suivez bien. La malamo. Je précise. Na beti c'était lisusu. Toutes les filles. Bilenge basi nyonso. Toutes les filles. Bilenge basi nyonso. Belle de figure. Kitoko ne longi. Vierge. Moseka. Toutes les filles. Bas nyonso. Or Jésus. Nzoka Yesu. Un jour. Mokolo moko. Il enseignait sur le royaume de Dieu. Abandaki kotangisa likolo ya bokonzi na Nzambe. Jésus dira ceci. Yesu akoloba boye. Or le royaume de Dieu. Nzoka nde bokonzi na Nzambe. Est semblable. Ekokani. Aux dix vierges. Na bana basi miseka zomi. Donc dans cette histoire. Na kat na lisolo oyo. Dans cette histoire. Na kat na lisolo oyo. Il est caché. Bombani. L'enseignement sur le royaume de Dieu. Lila koto lite ya likolo ya bokonzi na Nzambe. Il faut avoir les yeux pour comprendre. Esengelo zala na miso pona kososola. Regardez comment cette histoire. Botala lolenge kani lisolo oyo. A
de Dieu, na l'école ya Nzambe, comment on doit passer, lo lenge kane sengeli koleka, comment on doit marcher, lo lenge kane sengeli kotambola, qu'est-ce qu'il faut écouter, nini sengeli koyoka, qu'est-ce qu'il faut faire, nini sengeli kosala, pour entrer, pona kokota, pour entrer, pona kokota. Or ici, nzoka awa, ici le roi, awa mokonzi, ici le roi, awa mokonzi, c'est Jésus Christ. Ezali Yesu Christo. Jésus, Yesu, a besoin d'une épouse. Azana posa tina Jésus a besoin d'une femme. Yesu azana posa mwasi moko. Jésus a besoin d'une femme. Yesu azana posa mwasi moko. Mais pour avoir cette femme là, kasi pona kozwa mwasi wana, Jésus a donné l'ordre. Yesu apesi ndingisa. Qu'on puisse rassembler. Bakoka na kosangisela ye. Sur toute l'humanité. Nakati na mokili mobimba. Qu'on rassemble. Basangisa. Toutes les filles vierges. Bana basi nyonso baseka. Et toi frère. Na iyo nde komobali. Nande komwasi. Devant Jésus. Liboso na Yesu. Dans le royaume de Dieu. Nakati na bokonza Nzambe. Nous sommes, vous êtes tous. Bozali bino nyonso. Des filles. Bana basi. Dans l'église corps. Nakati na ekeleza nzoto. De Christ. Ya Christu. Tout le monde, batonyonso, forme la femme. Basali mwasi moko. On est femme. Tozali mwasi. Dans le royaume de Dieu, nakat na bokonza Nzambe. Il y a qu'un seul homme. Ezaka mobali a moko. C'est Jésus. Yesu nde. Ici le roi n'était que lui seul homme. Awa kuna mokonza talaki ka mobali moko. Mais il y avait plusieurs filles. Kasi bana basi bazalaki ebele. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, na yango ntoma Paul a le biete, je vous ai fiancé vous tous, ete na bali sabi non nyonso, à un seul mari, na mobali moko. Il y a plusieurs filles. Bana basi bazali ebele. Mais il y a qu'un seul homme. Kasi mobali a moko. Les plusieurs filles. Ebele bana basi oyo. C'est toi. Ezayo. C'est la sœur. Azalinde comment si kuna. C'est un frère qui est au Canada. Azalinde mobali azana Canada. Une sœur qui est aux États-Unis. De comment si moko azana États-Unis. Un frère qui est en France. De comment quoi mobali azana France. Une sœur qui est au Rwanda. De comment si moko azana Rwanda. Et quelqu'un encore en Uganda. Pe muti moko azana Uganda. Un frère en Angola. De comment quoi en Angola. Donc l'ensemble de tous ces gens-là. Les sanganyo sabatoyo. Devant Jésus. Bosona Yesu. Vous êtes. Bozali. La femme. Moi si. Ou bien vous êtes des filles. Maintenant, on est en train de parler de toi. Et quand il est surveillant, c'est lui qui connaît le goût du roi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît le goût de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il ne prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le rôle de Gaï, c'est de prendre ce qui est chez le roi et d'annoncer cela à ses filles pour une bonne préparation. Ton problème c'est quoi aujourd'hui? C'est parce que tu n'écoutes jamais ce qu'Egaï te dit. Egaï du temps de la grâce. C'est le Saint-Esprit. Regardez. Ces filles ont passé ici dans la maison des femmes une année. De la même manière aujourd'hui l'église du Seigneur depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au jour de l'enlèvement, cet espace là c'est une année, une année ici c'est pour que le Saint-Esprit te prépare à la rencontre du roi Yamokondi. Est-ce que vous comprenez les choses? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous agissez exactement comme les autres filles qui sont passées devant Esther. Mes frères et sœurs, le texte dont j'ai donné de le Saint-Esprit, c'est Gaï, le Saint-Esprit prendra ce qu'il y a Jésus. Là, nous sommes dans Jean 16. Pour ceux qui écrivent Jean 16, verset 14, si vous lisez là-bas, 13, 14, vous allez voir
Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra. Il parlera que de moi. Il me glorifiera. Égaï ici. Il ne peut parler que du roi Assyrus. Égaï ne peut pas parler d'une autre personne. Regardez-moi. Ne baissez pas votre tête. Regardez-moi. Botala. Égaï. Lui. Yeah. Il n'a qu'un seul chef. Azaka na mokonti moko. Il ne connaît qu'une seule personne. Ayebika moto moko. Il ne parle que d'une seule personne. Alobaka ka pona tina moto moko. La seule personne. Moto moko wana. Égaï. Oh Égaï. Peut parler. Akokina kolobela. Auprès des filles. Et paya banabasi. Ce n'est que le roi Assyrus. Mokonti Assyrus. De la même manière. Lolenge moko. Le Saint-Esprit. Lolima mon santo. Dans l'église. Il ne parle que d'une seule personne qui est Jésus. Le Saint-Esprit ne parle jamais du Père, jamais de lui-même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle que du roi. C'est l'époux. Si vous aujourd'hui, on peut vous parler. Je ne sais pas de qui c'est votre problème. Si on vous parle de Jéhovah, c'est votre problème. Le Saint-Esprit, lui, il ne parle que du roi. Ici, le roi, il n'y en a qu'un seul. C'est Jésus. En dehors de Jésus, le Saint-Esprit ne parlera de personne. Quand un bon prédicateur, un vrai prédicateur, qui a le Saint-Esprit en lui, un vrai prédicateur, qui a été appelé pendant ce temps de une année, s'il est vrai prédicateur, il ne parlera que d'une seule personne. C'est le roi. Le roi qui est l'époux. Pourquoi? Parce que le roi, il est seul dans sa maison. Dans la grande maison, royale, le roi est seul. Or, vous savez, quand le roi est seul dans la maison, il va dormir seul. Or Salomon, le prophète, avait dit ceci: quand on est seul sur le lit, le lit est froid, ne peut chauffer le lit, ce n'est que la femme. Le roi, lui, il veut être chauffé par la présence et pas à Bozali Sami. De l'épouse. Y a moi c'est Alibala. Et cette épouse. Pour moi c'est Alibala Oyo. Doit être bien préparée. Et Sengeli a bongi sa mapenda malamo. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vous avais dit qu'on va parler des choses d'écran. Si toi tu es encore dans le péché, c'est ton problème. Reste dans le péché, c'est ton problème. Mais ici je m'adresse à tous ceux qui ont quitté le péché, qui ont abandonné le péché, qui savent que ils doivent grandir. Toi, tu es toujours Kisimbi. Yo, otika la kaka de mukuse. Tu es né de nouveau. Bando bota masika. Tu es toujours dans le péché. Ozalaka chanta masumu. Dans le péché. Lelo lobi. Dans le péché. Lobi kuna. Tu retombes dans le même péché. Ozo kwe isama na masumu moko moko. Reste comme ça. Tika la kabongo. C'est ton problème. Etaliyo. Mais je veux dire. Kasi na lingina loba. À ceux qui ont compris. Na ba isi ba sosoli. Que le péché c'était mal. Ete lisumu ali mabe. Que le péché c'était mal. Ete masumu ya mabe. Et qui l'ont abandonné. Peba tika yango. Voilà ce qui est la nourriture qui vous est donnée aujourd'hui. On doit grandir. Les 12 mois
C'est une année de grâce. Je vous ai dit, les une année de grâce, ça commence en fait en réalité le jour où Jésus est mort à la croix. Mais l'inauguration de ce jour de cette année de grâce avait commencé le jour de la Pentecôte. C'est là où les gens commençaient à bénéficier de l'œuvre de la croix. Et c'est une année qui a commencé à la Pentecôte. Ça prendra fin au jour de l'enlèvement. Dès que l'enlèvement a lieu, c'est fini, les une année de la grâce est finie. Or, je vous ai dit ceci. Pendant ces une année de toilettes, toutes les filles ne doivent qu'écouter qu'une seule personne. C'est Gaï. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, regardez. Nabou Ibota. Egaï. Egaï. Accompagna Esther aussi. Accompagna qui Esther fait. Arrivé là-bas. Et comment tu vas beaucoup là? Egaï a dit à Esther. Egaï a dit à Esther. Prends ce que tu veux. Zoaouyouini. Alors Esther a regardé Egaï. Esther a regardé Egaï. Ici. Awa. Ça démontre que. Ils ont tant ils ça était. Esther avait bien suivi l'enseignement. Il avait bien compris. Esther a landa ki malamu. Pe a susula ki malamu liteya. Esther avait compris. Esther a susula ki. Que celui qui connaît bien le roi. Et c'est mon tour. Oya yebi malamu mokundi. Qui connaît le goût du roi. Oya yebi goût ya mokundi. Qui connaît ce qui peut plaire au roi. A yebi oyo eko ki kose peli sa mokundi. Ce n'est que Gaï. Ezali kaka Gaï. Alors Esther regarda Gaï. Esther attaka Gaï. Esther dira Gaï. Esther a kolandi Gaï. Je ne prendrai rien. Nana kozo yo kote. Mais je vais prendre ce que toi tu prendras pour moi. Oh, yo, yo, oh, qu'on se prend. Oh Dieu. Esther. Esther. Elle a dit. Allô, bien, tu. Non. Et toi prends. Yo, soigne. Ce que tu prendras. Oh, yo, reçois. C'est ce que moi je veux prendre. Yamo, pena, la reçois. Comme. Le col. Egaï connaissait le goût du roi. Egaï, aïe, bah, tu bouilles, mon compte. Egaï a pris. Egaï a zoaki. Alors Esther a pris ce qu'Egaï avait pris. Mais Esther a zoaki au Egaï a ponaki. Mais qu'est-ce que Egaï avait pris? Tasi Egaï a zoaki ni tasi Egaï a pris. Tasi Egaï a zoaki ni tasi Egaï a pris. Qui pouvait plaire au roi? Oh, et quand tu peux se payer ça, mon compte. Parce que le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Amen. Mes frères et sœurs, regardez. On ne peut pas. À quitter. Les filles qui sont là ne peuvent pas commencer. Avant de parler de cela, je vous pose une question. Regardez. Si vous êtes intelligente, je vais
Je parle de l'intelligence chez vous comme une, la femme du Seigneur. Mayele, le kola yibino, moi si na kolo. Entre voir et gaï. Na, comment na gaï. Donc, c'est-à-dire, je parle de fille ici. Na le banati na bana basi oyo. Voir et gaï. Comment na gaï. Et voir le roi. Na comment na bokonti. Qu'est-ce que cette fille pouvait bien désirer? Plus. C'est de voir les gaïs tous les jours. Ou bien de se presser pour aller voir le roi. Le désir de ses fils, c'était quoi? Non. Et gaïs ne parlait que du roi qu'eux n'ont jamais vu. Amen. Et d'ailleurs, il y a un peu de temps. Notre désir à nous, ce n'est pas de voir le Saint-Esprit. Notre désir à nous, c'est d'aller voir le roi. C'est de passer dans la maison du roi. C'est de dire qu'elle serait bonjour. Pour arriver à désirer le roi, il faut bien écouter l'enseignement des gars. Pour avoir le désir de rencontrer Jésus le roi aujourd'hui, il faut bien assimiler l'enseignement du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre l'école de Dieu. Comment les choses se passent dans l'école de Dieu? La priorité dans l'école de Dieu, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Vous me suivez? Mais si on te demandait, veux-tu aller voir le roi aujourd'hui? Beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui me suivent, ils m'ont dit: non, je n'ai pas encore de voiture. Je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas encore été aux États-Unis. Moi, mes frères et sœurs, si vous entendez chrétien, ce qui boyoki, mon Christ. Qui dit? Ok, Jésus ne peut pas revenir maintenant. Parce que il doit attendre que je me marie. C'était un faux chrétien. Azali mo Christo ya lokuta. Il est encore charnel. Azali nanu ya bonzoto. Ça, je vous dis la vérité. Les gens blaguent avec les choses de Dieu. Les gens jouent avec les choses de Dieu. Non. Ici, il n'y avait pas de la blague. Aucune fille ne pouvait prendre à la légère les enseignements d'Egaï. Parce que la vie en dépendait. Notre avenir. Avenir na biso. Dépend. Notre avenir. Lobby na biso malamo. Notre éternité. Notre éternité dépend de l'enseignement que tu reçois pendant les une année de la grâce. Ce que tu reçois aujourd'hui et ta façon d'agir, c'est ce qui va déterminer. C'est ce qui va déterminer ton éternité. Tu veux passer l'éternité dans la maison du roi? Ou bien tu veux passer dans la maison des concubines? Ou bien tu n'étais même pas sélectionné? Parce que toutes les filles à Babylone n'étaient pas sélectionnées. Et si vous me comprenez. Amen. Regardez maintenant. La maison des femmes ici. Là où on donne les soins pendant une année, ce sont les églises locales. Comme notre église, physiquement comme ça, c'est ça la maison des femmes. L'église qui est à côté là-bas, c'est la maison des femmes. L'église qui est en Europe, les églises physiques, je parle, ce sont des maisons des femmes. Là où on est en train de préparer. Mais le problème encore, il faut aujourd'hui maintenant Egaï qui est le Saint-Esprit, il travaille dans les cinq ministères.
Egaï aujourd'hui travaille dans les 5 ministères. Egaï azo sala musala na kat na baloto mo mitano. Si on est dans le vrai. Soki vous allez kat na solo. Si le ministre là, il est le vrai. Soki mosali wana nzambe azali a solo. Parce que il y a le 5, il y a l'apôtre. Pote mitano tozali na Thomas. Il y a le prophète. Tozali na mosakoli. Il y a l'évangéliste. Mopandi sango. Il y a le pasteur. Pasteur azali. Et il y a le docteur. Pe motangi si azali. Si il est vrai. Soki azali a solo. Si il a été appelé. Soki a solo a bengamaki. Et il connaît le roi. Pe ayebi mokonzi. Il parlera aux filles vierges. Akolobelaka na bana basi obaseka. Il parlera à l'église. Akolobaka na eklesia. Que de ce qui concerne Jésus. Que maye etali Yesu. Regardez mes frères. Botala bande konanga imbali. Les enseignements qu'on doit vous donner. Matea oyesengeli to pesa bino. Ça doit vous donner le goût d'aller rencontrer Jésus. Esengeli pesa bino posa ya kokutana na Yesu. C'est Jésus que vous n'avez jamais vu. Yesu oye botikala komona te. Et pour que tu aies envie de rencontrer Jésus un jour. Pe po ete ozo posa ete okutana na Yesu mukolo moko. Il faut qu'on te parle très bien de ce Jésus là. Esengeli balo belo malamu pona Yesu. Pas le Jésus qui donne des mariages non. Ezali Yesu ako pesa kama bala te. Pas le Jésus qui donne les travaux. Non. Pas le Jésus qui donne des promotions. Non. Et ça, Yesu a copié sa promotion. Pas le Jésus qui donne des voitures, des belles maisons. Non. Yesu a copié sa camille tout capé bandako qui tocote. Pas le Jésus qui fait des gens d'Africains. Non. Yesu oyo a commis sa cabato. Yambongo mité. Non. Pas celui-là. Ouanate. Mais un Jésus. Kasi Yesu oyo. Il faut qu'on te parle d'un Jésus. Et singeli balo belo na tina Yesu. Quand tu écoutes les enseignements sur ce Jésus là. Soki oyo ki mate a likolo a Yesu wana. Tu deviens propre. Okomi pe toi. Amen. Parce que ici le but était. Pote awa tina ezala kete. C'est de se faire la toilette. Vous connaissez c'est quoi faire la toilette, non? Amen. Hein? Si toi un homme tu ne sais rien mais les femmes en savent quelque chose. Soki yo mobali oyebite moi si quand même ayebi quelque chose. En réalité, à solo, selon la nature, entre un homme et une femme, là je suis maintenant dans la nature, dans l'exemple physique. Ah ouais, exemple, ezali bonzo to boye. Entre un homme et une femme, na kati ya mwasi, mwasi na mwana mobali, qui doit faire longtemps dans la toilette, dans la douche, en fait, dans la douche. Singeli, aoume, entre na un homme et une fille, entre qui doit faire longtemps dans la douche. Nani singeli umela na douche na kosokola mai. C'est la femme. Moi si. Un homme peut faire 2 minutes dans la douche. Mobali akosa la minute mibale na douche abimina ye. 5 minutes. 5 minutes et coquillé. Mais si la femme fait 2 minutes, 3 minutes dans la douche. Kasi soki moi si et komi asala kaba minute mibale misato na douche. Il faut crier sur cette femme. Et singeli kololo ye. La femme doit faire 1 heure du temps dans la douche. Moi si singila sala ngonga mobimba na kata douche na koso. Pourquoi? Pour nanini? Parce que. Pouete. Elle doit être rassurée. Et singila ndimisama. Que tout est propre. Et te nyonse komi pe toi. Elle doit commencer là-bas. Et singila bandakuna. Elle regarde. Na lokolo atali. Même si elle a déjà fait. Atasi a sokoli ngoma lamu. Elle refait encore. Asali a sokoli lisusu. Pour qu'elle soit sûre. Pouete ndimisama. Qu'elle est propre. Et te komi pe toi. Mais si une femme va dans la douche. Kasi soki mwa simoko akoti na douche pona kosokola. Elle ouvre le robinet. Afongoli mai robinet. Va. Cha 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 cha. Nana umela ngati. Oh moi je ne tente pas dans la douche. Nana umela na douche. Oh c'est l'esprit de sirène. Non, ici il y a pas l'esprit de sirène. Ah wa molimo wa sirène mami wa tezate. La femme dans la nature. Mwa sindenga kelama. Elle doit tarder dans la et douche. Sengela umela na kosoro la mai. Parce que la nature doit nous enseigner. Te boke la mie, sengela tangi sabiso. C'est pourquoi. Na yango tina. Toutes les filles là-bas. Bana basi nyonso kuna. Devraient tarder. Et sengela kiba umela. Pour une toilette d'une année. Pona kosoro la mai ya nzoto ya mbula mobimba. Toutes les années ici que Dieu vous donne. Bambula nyonso nzamba zope sabino. En réalité il y a 2014 l'année non. Depuis que Jésus est mort à la croix. Amen. Il y a 2014. 2014 c'est physiquement. Physiquement. Na bonzo to boye. Mais devant Dieu. Ça c'est le bosso nzambe. Mais 2014 là. 2014 oyo. Ce n'est qu'une année de grâce. Ezaka mbula moko angolu. Tout le temps là. Tango nyonso oyo. C'est pour que. Ezali pote. Que tu sois lavé. Osokola mamalamu. Mais malheur aujourd'hui. Kasili kama lelo. Maintenant je parle, j'utilise un langage spirituel. Ah ouais, et comme il y a l'obélia mouli mounazo l'oba.
Toi qui es femme. Yo oza moi si. Enfin, toi qui es jeune fille qu'on est en train de préparer. Yo oza li elenge moi so bazo bongisa. Pour aller rencontrer l'époux. Pour être okutana na mobali alibala. Au lieu de tarder dans la douche. Na esika umela kana kati ya douche. Non, tu ne tardes pas. Yo zo umela te. Tu jettes de l'eau. Ozo miso pela mai likolo likolo. C'est encore grave. Pe oza somo lisusu. Tu entres dans la douche. Okoti na douche yango. Au lieu d'être une brebis. Na esika oza la mona pate. Tu es un canard. Oza li libata. Les canards quand l'eau tombe. Libata soki ma yekweli. Sur ses ailes. Likolo masala na ye. Il suffit de faire comme ça. Soki aningisi kaka. Tout est parti. Te ikawuki na mosika. Il devient sec. Akomi ya ukauka ndi masala ki. On a des chrétiens canards. Tozana ba Kristo mabata. L'eau qu'on déverse sur eux. Mai o bazo sopa likolo na bango. Ça ne produit rien. Ezobota mbuma te. Frère. Ndeko mobali. Ndeko mwasi. Soyez un agneau. Zala mpate. Dès que tu entres dans l'eau. Na tango kote na mai. Tu sors. Obimi. Tu es mouillé. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Saint-Esprit est là. Rien que pour parler de Jésus. Azali kaka pona koloba pona tina ka Yesu. Parce que c'est Jésus l'époux. Pote Yesu yende mobali alibala. Qui attend la femme. Oazoze la mwasi. Jésus attend la femme. Yesu oazoze la mwasi. Il est seul. Azali ye moko. Dans le palais royal. Na kat nanda kwa bokondi. Au ciel. Na lola. Il est seul. Azali ye mei. Le désir ardent de Jésus. Posa ya monene ezopela epa na Yesu. C'est de rencontrer une femme. Akutana na mwasi moko. Cette femme là. Mwasi wana. C'est toi qui l'attends. Azali yonde azoze la. Il t'attend toi. Azoze la kande yo. Mais toi, tu es en train de faire des bêtises. Malgré la parole qu'on te donne. Mais tu fais des bêtises. Tu marches toujours dans le péché. Et quand Esther est arrivée, elle a dit à Egaï, toi prends pour moi. Ce que tu prendras, c'est ce que je vais prendre. Pourquoi Esther a dit ça? C'est parce qu'elle savait qu'il n'y a qu'Egaï qui connaissait le goût du roi. Frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux pleurer à Jésus, tu dois faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Azo senga yo osala. Tu dois produire. Et sengelo bota. Ce que le Saint-Esprit produit. Oyo molimo santo azo bota. Regardez. Tala. Ce que Oyo Esther. Esther. Et ce que Egaï. Pe Oyo Egaï. Avait pris. Abazoaki. À la place d'Esther. Na esika Esther. Il avait pris. Azoaki. Egaï avait pris. Egaï azoaki. Galate. Galate. Chapitre 5. Chapitre 5, verset 22. C'est ce que Egaï avait pris. Yangonde Egaï azoaki. Parce que Pouete. C'est ce que le roi désirait. Yangonde mokonzi abandaki kozela. Ainsi il est écrit. Na yango ekomami. Le fruit de l'esprit. Mbuma ya molimo. C'est. Ezali. Voilà. Botala. Ce que Egaï avait pris. Yoyo Egaï azoaki. C'est-à-dire toi. Elingoloba ete yo. Ce que tu dois prendre aujourd'hui. Oyo esengeli ozwalelo. Pour aller voir le Seigneur. Bona kokende kokutana na nkolo. Il faut porter le fruit de l'esprit. Esengeli ola tambuma ya molimo. Si tu n'as pas en toi le fruit de l'esprit. Soki kati na yo mbuma molimo ezalite. Tu ne verras jamais le Seigneur. Okomona kati nkolo. Et pour terminer. Bona kosukisa. Je vais vous dire ceci. Nalingoloba na bino ete. Regardez. Botala. Le passage. Likomami. Le passage, bon, donc, ça, c'est-à-dire, regardez, quitter la maison des femmes. Kolongwa ndako ya basi. Je termine par là, suivez-moi. Nasuki siawa, Olanda. Quitter la maison des femmes ici, là où on a fait une année. Kolongwa ndako ya basi oyo, bauti kosala mbula mobimba. Je dis que la maison des femmes ici aujourd'hui, c'est l'église locale comme ça où nous sommes. Comme Nalobi ete ndako ya basi oyo, na moya lelo na biso ezali église locale toza awa. Suivez-moi bien maintenant. Landanga na bokia bisiko oyo. Quitter la maison des femmes. Kolongwa ndako ya basi. Pour aller dans la chambre du roi. Pona kokende na kati na chambre mokondi. Aujourd'hui. Lelo. Ça s'appelle. Ebengami. L'enlèvement. Konne toi ma. Le seul, il n'y a que. Ezali kaka. La fille. Mwana mwasi. Qui est à la nature, qui a l'image d'Esther. Oya zali na bololenge. Et l'ilingi ya Esther qui pourra aller à l'enlèvement. Oyonde akoki kokende na konne toi ma. Esther c'est l'épouse. Esther azali mwasi alibala. C'est l'image. Azali l'ilingi. Des cinq vierges sages. Ya basse kamitano oyo ya mayele. Conférez-vous à Matthieu 25.
Confère Matthieu 25. Donc Esther. Esther. Et l'image. Azali Elilingi. Des cinq vierges sages. Yabase kamita no oyo yamayele. Qui ont été acceptées dans la fête des noces. Baye bandi mama ki na fête ya noce. C'est-à-dire l'entrée est restée dans la maison du roi. Le voyage ici c'est l'enlèvement. Maintenant rester dans la maison du roi comme Esther. C'est le temps où on passera avec le Seigneur pendant la fête des noces. Et la maison des concubines. Pendako ya concubine. Les concubines c'est qui? Ce sont tous ces chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Et ils resteront sur la terre. Le Seigneur aussi aura besoin d'eux un jour. On va continuer. Quand est-ce que le Seigneur, l'époux, aura besoin de ces femmes? W.